Genre si j'ai de l'XP à dépenser. Bah de toute façon oui, j'ai eu des trucs en force là avec la potion. Ah vie. Toujours plus gros bise quoi. Ah et vigueur. Déjà. Gros badass. Et. Ça y en faut. Après dans le reste, j'ai pas beaucoup de points. Enfin, après je peux utiliser l'XP normal. La vitesse éventuellement. Ouais. On peut en rajouter. Puis voilà. Hein. Ouais, c'est bon. Ta gueule. Dieu, si je te fais chier. Carrière des Hobbes, une vieille femme de Grey Massacre Toulouse. De marchand, t'as vu qu'elle y est toujours? Ah ouais. What the fuck? C'est à Barrowfields en fait, c'est pas le même endroit que t'as fait. Ah. Ah, mais c'est pas là où je t'ai fait envoyer chier? Si. Ah. Vengeance. Ah ouais. Pourquoi pas, hein. Je sais pas, comme tu veux. Allez, on s'en fout. Truc de bâtard, quoi. Ça nous fera gagner des points méchants, mais c'est pas grave. On est neutre, hein, de toute façon. Il y a une heure, là. Ça va peut-être pas tarder à arrêter. Ouais. Il est 6h moins 20. Ouais. Après cette quête, éventuellement. Yep. Ça sera neutre jusqu'au bout, quoi. Hein? Ça sera neutre jusqu'au bout. J'ai sauvé les marchands, j'ai massacré les marchands. Ça fait un peu mercenaire, quoi. C'est ça. Bah oui. C'est un peu ça, hein. Enfin, il était temps. J'ai peur que les autres n'aient pas attendu et soient restés coincés. Dépêchons-nous de les rejoindre tant qu'il reste des marchands en vie. Et on ne prend pas de prisonniers. On en a largement assez comme ça. Ça mérite d'être clair. Bon, bah, on bute tout le monde. Rien de plus simple. Tuer des marchands, c'est le top. Enfin, après les gardes, bien sûr. Ces porcs vont couiner. Le sang du porc va couiller. Allez, go. 25 gardes. Rien que ça. Vous allez tous mourir. Ah, ah, ah. Vengeance pour le champi. Bon, d'accord. On va y aller normalement. Voilà, par contre, pourquoi vous m'avez changé mon sort, bande de cons? Ouais, c'est vrai que les gardes sont un peu chiants à tuer. Oh là là, votre volonté est faible, attention. C'est ça, ma volonté est faible. C'est toi le faible. La poche. Oui. 5 pièces. Je n'ai rien fait. Lui aussi, il faut tuer. Oh, il y a un garde rouge, quoi. Ça rigole pas. Il est jamais plus fort. C'est un garde d'élite. Ah, mais il y en a qui arrivent pas. Ah, ouais, mais non, en fait, ils s'en foutent. Bonjour. Enculé. Ça, c'est pour le champignon, bâtard. T'es pas le bon. Aucune pitié. Tiens. Comment ça l'a achevé? Ça arrive par derrière encore. Je vais les attendre. Je vais prendre le champ dedans. Ouais. Oh putain. Oh là, ouais. Potion. Ouais, je crois que là... Attention, hein. J'ai vu pire. Ah non. Ces vieux cris qu'ils ont des fois. Ça. Épée dansante. Oh, putain. Les gardes sont forts quand même.
Mais en fait, il te suit pas, l'autre, faudrait lui dire de te suivre. Qu'il vienne se battre avec toi. Ouais, mais s'il meurt, je vais sûrement. Ah. Autant que je me débrouille tout seul. Chier un peu. C'est vrai que les gardes font beaucoup de dégâts et tout. Attention. Mais putain, te faire enculer avec ton arbalète. Bon, normalement, il n'y a plus d'ennemis qui vont spawner. Attends, il reste plus que des marchands en fait. Alors, vous vous souvenez de moi ? J'ai dormi, pétasse. J'ai eu le temps de faire toutes les Et si ça vous apprendra à me défriser. J'ai trouvé celui-ci qui fuyait vers Roqueval. Héros, c'est à toi que revient l'honneur. Oh, pitié, ne me tuez pas. Je n'ai rien fait. J'ai une famille, j'ai une boutique. Pourquoi je le tuerais pas? Et hop, hop, hop. Hein? Il aurait dû te payer plus cher. Ouais, et puis... De toute façon, je sens que si tu dis non, c'est eux qui vont le faire. Ouais, allez, je le tue. Héros, éventre-le. Oh. Allez, bonne mort. Et voilà, massacre des marchands. Un tel qu'un peu de méchanceté. Bon, bah voilà. 15 000 en pièces d'or, putain, on est riche maintenant. Ouais. Y'a rien à voler là, tant qu'on y est. Ouais, tant qu'on y est. Oh, ça se trouve, tu vois, il aurait dû falloir accepter cette mission, comme ça on aurait pu piquer le champignon sans payer d'amende. Oui, c'est vrai. Putain. On pouvait pas le savoir en même temps. Ouais. Te soigner un petit peu. Ouais. Ah bah non, il est toujours là, ce con. Putain, je l'ai soigné en plus. J'allais me faire une coquette somme avec ce. Il est toujours là. Fumier. Il n'y a pas de témoin. On est d'accord, il n'y a pas de témoin. Pas de témoin, non. Voilà, il est plus là. Putain, par contre, j'ai dû prendre en mauvais karma, mais à mort. Vas-y, regarde. Alors. Stat. Merde. Allez, oh, non, plus 8. Je suis à plus 8, ouais. Je suis toujours en positif. On a été plus gentil. 37 ans. Quoi. Abusé. Abusei. Abusé. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter du coup. Ouais. Je sauvegarde. Je suis pas dans le bon menu là. 9. Bon, on va la mettre là. Et voilà. Bon, et ben à bientôt pour la prochaine session. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une belle session de Fable avec Xerès. Avec moi. Et tu vas commencer. Ah. Je me rappelle plus des touches. Ouais, ça fait à peu près un mois qu'on n'a pas joué. Et du coup, on reprend par une journée de forte chaleur qui va être bien horrible. Ouais, je suis en train de crever. Du coup, on a toutes les fenêtres ouvertes, donc il y aura peut-être des bruits extérieurs. Hein. Désolé à l'avance s'il y en a. Okay. Mais là, on est obligé d'ouvrir, là. C'est pas possible sinon. Je sais plus où on est. Qu'est-ce qu'il faut faire? Où suis-je? Essaie de voir ton journal de quête peut-être, si on en a un, je pense. Je sais plus. On sent les mecs paumés, quoi, déjà. J'aime bien le sourire du Joker en bas, tu sais. Ouais. Ah non, c'est un canet. Oh, je sais pas, j'arrive même pas à voir quelque chose. Ouais, ça fait un peu sourire de Joker, un peu, non? Un peu flippant, quoi. Alors non, c'est pas la bonne touche. C'est back. C'est back. Ouais. Select. Oui, je suis la vienne, mais la vieille école, moi. L'enfant malade, ça c'était les champignons de cul.
Ouais. Les livres. Chasse au bouton caché. Donc ça, c'est les cartes qu'on les chope. Je pense qu'on avait chapelle. Peut-être tout juste fini une quête, en fait. Magnifique. Ah, d'accord, oui. C'est ouais, quand on avait traversé le truc. C'est très secondaire, tout ça. C'est même tertiaire, quoi. Ça c'est le DLC. Non. Non, je crois que c'est la quête principale. L'archéologue, je crois. Il me semble, hein. Il aide vachement ce zoom. Ouais. Très utile. J'adore. Encore. Ouais. Ouais, faut que tu trouves l'archéologue, écoute. Je pense qu'on va reprendre par ça, hein. Alors, par où qu'on se téléporte? Allez, je te lance le chrono. Oh, il y a peut-être fleur. Non, pas ça. Il y a une porte de téléportation, une porte de cuisse. Est-ce que ça peut t'avancer, ça, si tu la prends? Tu vas peut-être pouvoir gagner du temps. Putain, on dirait tellement des sphinx de... Histoire sans fin. Le truc traumatisant. Bah ouais. Tu peux aller direct à Witchwood. De toute façon, je sais pas comment on aurait fait autrement. Y'a pas de bateau. Bah ouais. On avait déjà été ici, je sais plus trop à quelle occasion. Ah bon? Je crois que normalement, si tu peux t'y téléporter, c'est que t'y as déjà été ou je sais pas. Non, le truc il avait été débloqué pour qu'on y ait justement. Oh bah voilà, t'es D'après parti. D'après la rumeur. Il existe une épée dans Witchwood que seul un véritable héros peut avoir. Ah ouais, c'est ici. Il paraît qu'un temple à Witchwood confère une force spirituelle. Mais attention, certains dieux sont inconstants. Sinon le maître de la guilde, il se fait tellement chier qu'il le dit à chaque fois que quelqu'un vient ici ou... Oula, c'est quoi ce bruit? C'était le tonnerre, je crois. C'est un petit peu flippant. C'est ce que j'aimerais bien qu'on ait chez nous, là, actuellement. Oh ouais. Un bon petit orage, là. Bien violent. Bien rafraîchissant. Surtout. Pikachu, vas-y, attaque tonnerre. Tu sais qu'en ce moment, je suis en train de me refaire un Pokémon. Lequel? J'ai Earth Gold. Ah. Le Earth. Ah bah tu vas t'amuser. Non. Un petit golem. Un gros greu. Enfin un golem, un troll plutôt. Ah et putain, c'est vrai qu'il faudra vraiment qu'on trouve un arc en fait. Comment on esquive déjà? Avec Y je crois. Non. Je me rappelle plus. Non, c'est pas Y. Ah. Des gros galériens quoi. Mais depuis quand les roulades c'est... Ah ok, ça m'énerve. Ah bon, ok, je vais crever tout de suite, ça dérange pas? Bravo. On sent les gros galériens qui ont pas joué depuis un mois. Ah non, quoi. Mais c'est horrible. En fait, faudrait vraiment faire une session genre toutes les deux semaines pour pas perdre trop de... Au corps à corps, j'ai jamais osé faire ça. Contre ces saloperies. Donc, tu sais quoi, je me bats. Je l'emmerde. Carrément. Et XP alors? Mais j'arrive pas à l'affronter, j'y comprends rien. Qu'est-ce que c'est ça? Moi je sais plus me battre et on fout directement un boss, ça va pas non? Petit pas. Mais apprends à viser quoi. Normalement tu peux le loquer, je sais plus comment. Mais me regarde pas, je suis pas là, je n'existe pas. Oh merde, je peux même pas l'esquiver. D'accord. Faut que tu charges l'arbalète en plus, c'est ça le problème. Mais comme l'arbalète est vachement lente à charger, c'est vraiment pas adapté pour ces boss. Bon, par contre, quand tu touches, tu fais mal. 108. 108 au lieu de 7, c'est pas mal quoi. 118.
218. J'arrive pas à esquiver, ça m'énerve. Aïe. Aïe. Oh ta gueule. C'est toi le faible, vieux con. Vieux con 70 balais. Putain, mais je te jure, ça m'énerve. Mais ces boss-là sont particulièrement chiants. Non, tu n'auras pas. Vraiment que tu frappes au bon moment à chaque fois. Si t'esquives tous ces cailloux, en fait, il y a un moment donné où il reste à gueuler comme un crétin. Et c'est là qu'il faut que tu profites pour tirer à l'arc. Je fais des combos, comme ça il ne me chope pas. Là on voit rien là. Mais je sais pas pourquoi il se concentre pas dessus. Allez, cible-le. Mais cible-le. Complètement con. Hein. Votre volonté est faible, attention. C'est toi le faible, papy. Tu fermes ta gueule maintenant. Oh. Là, tu fais gueule. T'es trop chaud pour supporter tes conneries, vieux con. Je vais gueuler à chaque fois. Ça va, il enlève pas tant de vie que ça, hein, finalement. Ouais, ils ont pitié de moi. Ah, mais ça va être un, ça va être. Ça va durer 3 heures. Hein. Ouais, mais l'XP, ça vaut le coup. Je crois qu'il rapporte pas mal, ce con. Hein. Mais c'est vrai que c'était le gros souci de Fable 1, c'était qu'il y avait certains ennemis, tu sais pas pourquoi, ils mettaient 3 heures à se buter parce que c'est des sacs à PV. Oh. Hey, bon visé. Mais ouais, vaut mieux que tu te fasses la main sur ce boss là parce que je me souviens d'un truc après. Oh non, c'est non. Violent. J'en dis pas plus, j'en ai déjà dit trop, mais. Attention. Attends, je vais essayer un truc. Oui, ah oui, bah, c'est... oui, t'as raison. Oui. C'est vrai que le feu sur les trolls, c'est pas con. Cool, ah, ça lui fait 60 rien qu'une boule de feu pas chargée quand même. Ouais, bah alors forcément, faut attendre que. J'attends que le mana. Tu peux utiliser une potion de volonté si tu veux. Tu l'avais directement. C'était fait. La potion de volonté, ça? La bleue, ouais. D'accord. Ça, c'est tout? Ça, c'est de l'XP de volonté, ça que t'as mis. D'XP de volonté? Ouais, t'as gagné plein de volonté en plus. T'as vu ta barre là à monter en fait? D'accord. Bah, je crois. Me semble. À moins que ce soit juste pour augmenter ta... ça lui a fait mal, ou pas? Tes sorts après. Tu lui as enlevé 60, je crois. Il a peur. Il coupe sa race. Quel bâtard. C'est passé au travers de lui, hein. C'est dégueulasse. Hein. Moi, oh, l'aurais... mais pourquoi tu le cibles pas en plus, du con? Je te l'aurais accordé, moi. J'ai l'impression qu'il cible mais... les cailloux, des fois. 60 seulement, c'est l'effet. En fait, tu dois pouvoir détruire les cailloux, mais... c'est le truc, le mec, il se fait trop chier, quoi, détruire les cailloux. Ouais, parce que tu peux mieux les enchaîner, en fait, que l'arbalète, du coup... Tu peux balancer limite 3 sorts alors que tu pourrais faire qu'un tir d'arbalète. Si tu gères bien, je pense. En fait, qu'il soit chargé ou pas, j'ai l'impression que ça change pas grand chose. Je pense que tu peux balancer. Ça fait les que sorts à la chaîne. Ouais, j'ai trouvé l'astuce. Ouais, comme ça. Ouais, t'as vu, ça fait pareil. En fait, c'est mieux que tu balances les sorts comme ça. C'est bon, j'ai trouvé comment esquiver. Je vais faire des toutes petites esquives. Ah, le sauf comme lance ça. Boule de feu, boule de feu. Votre attention. Attention. Hop. C'est rien le papier. Hop. Il est au taquet, papier. Et Lilo. Aïe. Le petit caillou.
et Goulou. Ah bah, c'est que t'as utilisé une potion de santé en fait. Ouais, là c'est... J'ai cru que t'étais morte, j'ai eu peur. Non. Oui, on a toujours 9 fioles de résurrection quand même. Hein. On est quand même bien lotis. Ouais. Je pense qu'on est tranquille jusqu'à la fin du jeu. Oh, mais fais chier, c'est Racaillou là. Hop. C'est Racaillou. Hop. Il balance des Racaillou en fait. Putain, n'empêche, tu vas se retrouver à faire quasiment que ça de... Hop. Oui, ça va être ça. Troll de cul, quoi. Il m'a eu. Il est pas si con que ça. Lui, il faudrait mettre la musique de Trollolol pendant ce combat, quoi. Oh, mais pourquoi j'esquive pile dessus? Alors, en même temps, faire des roulades comme ça, ça va donner chaud. C'est lui, il est dans une forêt fraîche, mais il a aussi chaud que toi là. En plus, il balance des boules de feu. Un peu plus de volonté. Comme ça, tienne. Allez, j'y passe. C'est pour ce genre de situation qu'on économise les potions de volonté. Oh. Le petit caillou. Allez, vas-y, finis-le, finis-le. Hop là. Oh merde. Hey, il se fout de ma gueule. Oui, il se fout de ta gueule, ouais. Mais saute pas, mais saute pas. Ça le fait rire, ce gros con, quoi. Donne-moi l'XP. Et un saphir, bah voilà. Oh. Quand même, ça valait le coup. Ouais. Un minimum, quoi. C'est cool, un saphir, ça se genre bien. J'adore les petits pas kiffés, je vois. Pas convaincu, Xeres. Ah, oh. Le guide des zéros. Oh, bien. Vas-y, lis ce qu'il y avait. Attends, je lis si tu veux. Ce pamphlet qui se présente sous la forme d'un journal et s'intitule « La guilde des zéros » constitue une attaque contre la guilde à peine dissimulée. La supériorité autoproclamée de ses membres est le culte de la célébrité qu'elle favorise. L'auteur de cet ouvrage disparut peu après sa publication. Je crois que c'est un bouquin qu'on peut filer. Ouais, ça va être drôle, je pense. On ira voir monsieur le prof. Fatigué. Il y avait quoi là? Ah oui, la boule, m'expliquer. Pierres de Witchwood. Oh putain, je me souviens de ça. Uh-huh. Ah, je me souviens de cet endroit. C'est ça. Ouais, la Xbox doit faire un bordel monstre dans le micro par contre, mais bon, ça j'y peux rien. Y'a de quoi pêcher. Le poisson. Le petit poisson. Alors comment on pêche? J'ai pas essayé. Là tu peux. Ah faire... bah oui, bah je suis un peu con. On va faire mine qu'on a rien vu. Bon attends, parce qu'ils me font chier. Allez. Désolé. Désolé. Je sais pas à qui je dis. Tu t'excuses au viewer pour cette erreur. Alors comment ça marche? Je sais plus. J'ai pas compris. Je sais plus comment ça marche. On a pas compris. Bon, je vais chercher du à boire parce que. Ah ouais. J'ai pas compris. Ce four. Je l'ai réussi à retrouver. C'est j'emmerde tout le monde là depuis ça, je sais plus. Je crois pas qu'il faut que t'appuies trop vite. Oh, je l'ai.
Oh, une clé. Ah bah bien, parfait. I'm the big boss. Parfait, parfait. Faut que je te mette un verre aussi. Ah, yeah. Oh, tu sais quoi, je vais prendre un oasis. File-moi de l'oasis. Tu veux de l'oasis? Ouais, je triche, c'est du sucré. Ah ouais, non, mais j'ai personne le saura. Enfin, si, maintenant, oui. À part les viewers. Tant pis. Ah, j'aime trop l'oasis. Oh, là, c'est bien. Du petit fruit, en plus. Ah, c'est trop bon, ça. Alors... C'est l'oasis parfait. Oh, ça apporte encore plus de dégâts, ça. Ça te ferait un marteau bien? Ouais, par contre, je sais pas pourquoi j'ai pas pu l'équiper. Ah, tit. Si on se réveillait... Wow. Et voilà, dans un verre à whisky pour toi et pour moi. On boit de l'oasis dans un verre à whisky. C'est bien. Yes, my dear. Hop. Alright. Let's go. Je te laisse armer le nouveau truc. T'as réussi la pêche du coup, oui. T'as parlé à la porte de démoniaque? Elle était là, non? Ah bon? Je n'ai pas vu. Je crois. Oui. Je n'ouvre qu'à ceux qui connaissent mon vrai nom. Si tu le connais, épelle-le avec les pierres magiques. Alors, G-L-A-L-D-U. Une seule personne connaît mon nom. Glandu. Pas ça? Même au temple d'Avro. Ouais, je crois que c'est pas trop compliqué de l'ouvrir celle-là. Prends ton maillet. Ah! Mauvaise touche. Alors, équipement, c'est là-dedans ou pas? Faut juste que tu changes le... Voilà. Ah oui, putain, c'est vrai que c'est inventaire et un peu space. Grande oui. Masse d'acier. Descends, encore. Cimetière. Celle-là. Grand marteau d'obsidienne, plus 15. Allez. J'aime pas les marteaux, mais tant pis. Ça sera un jour à tap top. C'est avec ça qu'il faut donner le nom du... Donc il a un nom à quatre lettres? Ouais. Donc H S I T. Je crois que je me souviens de son nom. Vas-y, mets-le. C'est un peu cheaté, normalement je crois que je suis censé enquêter et tout. Merde. Joseph. Il est où? Là c'est le H. En plus, ça le dit, c'est bien. Là, c'est le I, c'est ça? I. Le T, c'est ça? Ouais. T. H-I-T-S. Voilà. Putain, d'habitude, j'ai une mauvaise mémoire, mais je m'en suis rappelé, je sais pas pourquoi. Comme ça, tu as trouvé mon nom. It's, ouais. Bien joué, passe. C'est vrai que c'est super simple, quoi. Hein? C'est plutôt simple, quoi, pour trouver. Même en faisant des essais, ouais, tu peux trouver, finalement. Hein. Ah, on va pas découvrir ce qu'il y a derrière. Avec H-I-T-S en même temps, qu'est-ce que tu peux... Mais je crois que c'est là où il faut aller, en plus. Ah bon? Ouais, il me semble. Donc, vous m'avez trouvé. Oh, génial! Si vous pouvez me trouver, eux aussi. Je n'aurais jamais dû étudier les sites de pouvoir. Comment pouvais-je savoir que Jack s'y intéressait aussi? Oui, Jack of Blades. Écoutez, je n'ai pas le temps de m'expliquer. Vous pouvez lire mon journal, je n'en ai plus besoin. Maintenant, je vais m'en aller. Je ne suis plus en sécurité ici. Hein? Merci à vous. Quête accomplie. Ah, d'accord. Voilà. Ouais, bon, fallait enquêter, quoi, je suppose. C'est pour ça qu'elle était longue, quoi. Ouais. Il y a des choses intéressantes dans ce trou, là. Merci beaucoup.
créatures d'Albion, livre 1. Oh putain, alors là on a de la lecture je crois. Oh les mignons. Ah les mignons, ils sont pas mignons. Hein. Banana. Eh non, je veux monter. Non. Oh bah va te faire enculer si tu veux pas que je lise tranquillement. On le fera lire à l'autre là. Ouais, oui. On l'a déjà vu ça ou pas? Oui. C'est le même. Avec la décapitation. Oh. Oh. Bien classe. Flippant quand même. Ah merde. Il faut 15 clés. Tu. Oui. Ouais, c'est vrai. Choisissez-vous. Nous remettre de la vie. Guide. Voilà, on a toute notre santé maintenant. Non, moi, j'ai l'impression que t'as pas encore. T'as... Y a encore à fouiller dans cette armoire? Pas dans cette bibliothèque? Ah non, bah pourquoi y a encore des. Hop. What? La méthode Culbuto. Sous-titré Comment devenir sexy en 10 jours. Ce guide apprend au lecteur à maîtriser des poses de vrais héros. Il explique également comment flirter, porter des vêtements à la mode et éviter les coiffures ringardes. Alors ça va être marrant avec le prof. Je croyais qu'il allait dire comment porter des vêtements, oui, parce que jusqu'à ce jour vous êtes devenu nudiste. Comment on range son arme? Il y a un coffre. Ah oui. Et pour une fois je le vois. Ta-da-da-da. Jambière de Mike. Il n'y a que Mike et Mike. Aussi résistant que la plate, mais plus léger et plus souple. Ah, c'est porté ça. Mais comment on range son arme? Mais il range tout seul, non? Non, c'est bon, c'est avec LB. C'est avec non, pas cette touche, putain. C'est vrai que c'est perturbant que ce soit back aussi pour aller dans l'inventaire. Ouais, d'appuyer sur Y. Hein? Moi j'appuie sur Y à cause des différents jeux où il faut appuyer sur le bouton du haut pour ouvrir le menu. Ah, et plus 58 quand même. Photo FF. C'est quand même pas mal, hein. Ouais. Là, on a trouvé du bon matos. Yep, yep. Y'a quoi là-dedans? Ah, putain, y'a un autre coffre. Ça, c'est un rubis, manifestement. Ouais. Ouais. Fiole de résurrection encore. Il est tombé. Y'a quoi? Je sais pas, j'ai entendu quelque chose tomber. Je crois que ça, c'était peut-être mon gobelet. Ça faisait comme un bruit de gobelet, je crois. Il tombera pas plus bas. Hein. Tant qu'il est vide. Oui. C'est le gobelet solitaire, le survivant de toutes les soirées que j'ai fait ces deux dernières semaines. Putain, ils ont de la chance, il pleut chez eux. Je vais aller voir par là, vite fait. Parce que du coup, j'ai pas bien exploré toute la zone. Non. Et après, il faudra retourner à la guilde. En même temps, là, ok, il me reste 8 minutes. 8. Ah, bah voilà, j'ai bien fait. Un coffre. Ah, bah les gantelets. Bah, je peux mettre portée direct, oui. Bah, oui. Pourquoi se faire chier? Une bonne protection pour le guerrier endurci. Ok, bon bah voilà. Y'a quoi après? Y'a pas un petit. Y'a pas un chemin? T'as vu un truc? Bah plus loin, retourne, fais mytho. Non, à côté, voilà. Bah y'a une sortie de zone. Ouais, c'est que ça remet nous. Au sud, c'est une sortie de zone. C'est là que tu veux que j'aille? Bah. C'est une gargouille ça. Ouais, ça, j'étais curieuse de savoir si c'est un temple d'Avo. On peut éventuellement aller au temple d'Avo, ouais, pour voir ce que c'est. Oui, je vais faire un coup d'œil, vite fait. Si c'est à portée de. Mmh. Je croyais en fait que ça menait ailleurs. Ouais, ça nous fait tourner en rond quoi. Parce que après je crois qu'on va retourner dans le coin pour la prochaine quête, si je dis pas de conneries. Ou pour une prochaine quête du moins, pas forcément la prochaine.